Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette conférence qui a pour thème mise au point sur des questions d'actualité concernant notre artiste, la légende Koffi Olomidé. Ce qui m'a poussé à vous demander de m'accorder votre temps, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Et en même temps, les producteurs qu'on conserve au sein de la vie, du 27 novembre 2021, Paris, la Défense Arena, ont vraiment demandé de ne pas rester indifférent par rapport au sabotage, aux tentatives avec S, A, U, X, aux tentatives de sabotage que vous avez tous vu. C'est vraiment la raison essentielle. Et avec ça, il y a eu la tentative de piratage de la chanson avec l'idée qui s'appelle Hercule. Le plus objectif, moi, je pense que chacun de vous, après que j'ai fait cette petite entrée en matière, a déduit qu'il y a quand même quelque chose de malsain, de louche, le moins que je puisse dire. Comment est-ce qu'une personne ou des personnes peuvent se donner le temps de monter une fausse affiche pour écrire ou annoncer qu'un concert comme celui-là était annulé? C'est malheureux. Toutes les personnes autour de moi, comment je le dis, ont souffert. Moi, j'ai l'habitude, depuis que je suis chanteur au Congo, de subir ce genre de choses. Dans un incident, violer ma fille, à Salibou, toujours. Et bizarrement, Dieu fait que ces gens soient toujours confondus. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas me lâcher. Ça va. Moi, je voulais vous demander, pas seulement de dénoncer ça, mais de dire à toutes les personnes qui vous suivent, qui vivent par vos émissions, par vos reportages, par vos analyses, que le concert du 27 novembre 2021 à Paris, la Défense Arena, aura bien lieu le 27 novembre 2021 à Paris, la Défense Arena. Je ne peux pas ces gens-là qui ont dépensé de l'argent depuis plus d'un an, parce que le concert a été reporté à cause du coronavirus. On ne pouvait pas rester là-bas trois mois. Toutes les personnes autour de moi me disent qu'au fil, ne répond pas, ne parle pas, on ne jette que la pierre aux fruits mûrs, etc., etc. Mais à un moment donné, ça fait 12 ans que je n'ai plus chanté. Et là, on a lancé un concert à cause de je ne sais quoi. Et si vous fouillez, vous allez voir que c'est pour des petites choses, des raisons très basses, pour traumatiser le public.
On me dit qu'il y en a à peu près 33 000 rennes. J'espère que c'est vrai. J'espère que ce matin, il y en a encore plus qui ont déjà oublié. Tous les jours, j'ai des témoignages de gens d'Abidjan, de partout. On voit leurs billets, on a déjà les billets, les gens sont montés dans la tente. Et des malins, pour des raisons futiles, vont faire une fiche comme ça. Donc c'est essentiellement pour ça que je vous ai fait venir, pour que vous disiez aux gens que ce sont des mensonges. Et oui, ces gens-là, c'est des sans-cœur, c'est des mécréants, c'est des méchants. Mais maintenant que je dis ceci, vous avez sûrement une question à me poser. Vous savez comment j'aime ça. Je vous demanderai seulement de formuler de façon succincte vos questions, qu'elles soient claires. Et puis voilà quoi. Je suis sûr que vous aurez des réponses de ne pas exagérer, on en a trop loin dans l'exagération. Rester raisonnable pour que nous puissions, pendant une heure ou une heure, je ne sais pas, échanger le titre entre les gens qui vont nous suivre. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait grand chanteur. Donc, à vous la parole. Bravo, bravo. Merci. Yves. Pao. Bravo. Sanga Meli. Madame Rahman. Bonjour, monsieur le Fiorinier. Je me permets de prendre la parole en premier, d'autant plus que nous avons prêté un petit peu depuis que nous étions là, 11h, maintenant c'est 12h, il y a peut-être des occupations et autres. Donc, j'aimerais rester là où nous sommes, c'est-à-dire par rapport au concert du 27 novembre. Je m'appelle Kaki Akiwa, je suis de Radio Okapi. Je voulais vous demander si vous avez des garanties pour ce concert. Déjà, il y a des méchants, comme vous venez de le dire, qui disent au public que le concert n'aura pas lieu le 27 novembre 2021. Et pourtant, ça a été reporté une fois par rapport au coronavirus. Maintenant, rassurez, est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous avez des garanties avec le document à l'appui que ce concert aura bien été meilleur par rapport au gouvernement français, par rapport à cette pandémie du coronavirus? Merci. Je ne suis pas l'organisateur du concert, monsieur. Le conseil est une organisation de Cheyenne Production. Cheyenne Production, je suis peut-être parmi les tout petits artistes qui produisent. Donc ce n'est pas une affaire de tout le monde. Et pourtant, dans cette affaire, je ne suis pas trop. Donc je pense qu'il faut les choses en conséquence. Le corona est allé sur le site de Paris de la Défense. Voilà, c'est la meilleure réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas de documents, c'est quand on voit les PDF. D'ailleurs, pour les tickets, pour les gens qui veulent acheter leur ticket master, on va acheter leur ticket. Dans les pays qui ont fait on ne sait pas d'aller faire la question. Merci. Moi, je vais vous faire une suggestion en tant que pour aller bien avec mon confrère. Si nous pouvons d'abord rester sur le concert, moi, pour qu'après, on va prendre certains chapitres, peut-être autre chose, parce qu'il est artiste, certainement il y a d'autres actualités. Mais restons d'abord sur les concerts, comme ça on pourra progresser. C'est un ordre ou une suggestion? Non, je suis gestion. Je demandais si c'est possible. Donc, on n'est pas que j'ai été écouté. Justement, c'est pour ça que je dis c'est gestion. Oui, c'est pour ça que moi je m'appelle. Non, on n'est pas obligé. Alors, je veux qu'on ait un pêle-mêle. Non, moi je n'ai pas besoin. Je suis venu. Vas-y. Merci beaucoup Patrick Thierry pour le contenu de la Bouche Télévision. La confiance au milieu de 40 ans de carrière et vous appelez ce concert le concert de votre vie. Vous l'avez si bien dit, après 12 ans, vous avez marqué votre retour en Europe. Après tout ce qui s'est passé, on ne va pas le dire dessus. Confiance au milieu, on aimerait quand même savoir quel spectacle Confiance au milieu prépare. On aimerait à la limite avoir le carnaval de ce que sera ce concert, des collaborations, des surprises, des anciens artistes du quartier latin qui vont venir sur scène. On aimerait au moins être parfum de ce que Koffi Olomide va nous présenter ce soir. Il y aura exactement tout ce que tu viens de dire. Des surprises, des anciens, c'est tout. Tu as tout répondu, tu as tout dit. Voilà, je ne vais pas faire la même chose que j'ai déjà faite. Donc ça, c'est ça là. Je vais les guests,
Je ne vais pas commencer à les citer maintenant, moi c'est pas le moment. Mais je ne peux pas cacher que par exemple, moi j'ai été la femme de quelqu'un. Tu sais avec qui, peut-être sauter la nation. Moi déjà, donc je ne le dis pas. C'est vous. C'est ce que je dis. Au fur et à mesure, vous êtes l'une des stars congolaises qui se sportent le mieux. Très content d'abord de cette annonce, la nouvelle. Donc, je pense que j'ai un téléphone. Merci. Au micro pour RTGA. Hein. Au fur et à mesure, avant le concert, Toyota qui que vous mettez un concert, en tant que Guinée, dans vos pieds, pour si je te sais la vie, à un moment après votre passage, à la télévision, vous êtes une personne humaine avec un point de vue au Colombien au monde, mais tout le monde passage dans la télévision par la moment où on est au concert à Doublé. Et après ça, au fur et à mesure, encore qui revient à la télévision pour demander pas. Non, le truc là, il y a d'abord, c'est la question de la question. C'est le vous savez, quel mot je peux employer ? C'est pas révélateur. Les gens n'écoutent pas ce que je dis. Les gens n'écoutent que ce que je ne dis pas. Le film est là, heureusement qu'aujourd'hui, la technologie nous aide. Je suis allé dire, je m'excuse pour le passé. À aucun moment, je demande pardon. À mon entendement, je ne sais pas si j'ai particulièrement été à l'école longtemps. Je ne crois pas, mais les excuses, on les présente. Le pardon, on les demande. Moi, je présente mes excuses, le pardon doit être accordé. J'ai jamais dit ça par élégance. Parce que quand je vous avais attendu, le sujet n'était pas du tout celui-là. Le sujet était le problème de notre compatriote, mon pays, c'est que de fait, les gens ne se sortent pas. J'ai voulu parler de tout ça. Mais regardez quand même comme la malice parle de ce les malins qui ont de vous tenter. Comme moi je dis que mon pays vivre et à toutes ces richesses. Que les gens ne puissent plus garder d'aller moins de $200. Je pense que c'est plus agréable. Qui est contre ça? Qui est contre ça? Celui qui est contre ça, c'est une équipe de quand je dis que. J'ai dit plein de choses, je ne voudrais pas revenir sur ça, mais il y a quand même des malins, beaucoup plus malins qu'on pourrait concevoir, qui sont en train de vous. Aveugler, à vous emmener au patron. Monsieur, je n'ai pas là. Quand j'ai dit que dans la situation de votre pays aujourd'hui, ce serait bien que ces 16 écoutes soient solidaires, que ceux-là qui gagnent beaucoup plus refusent comme Trump à faire le président Trump. Et tellement que ça n'a pas si. Moi, mon père Bélouin, mon cabalouin, ça. Qui est contre ça? Qui est contre ça? C'est des choses simples. Et ça, ce n'est pas la politique. Qui n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de 500 G pour faire des types-là? Moi, je n'ai jamais vu. On aurait pu dire à ces gens-là, bon, on se récupère, bah, tu on paie 5 qui sont la puce, par exemple. Ou bien, bah, on trouve la somme à maman. Ou à l'école, ou même à l'université. Qui est contre ça? Ça, ce n'est pas la politique, ce n'est pas être le proche ou le droit. C'est juste aimer son pays. C'est juste aimer ses propriétaires. Donc, quand j'ai dit, je m'excuse parce que j'en suis un homme élégant. Il y en a qui me connaissent bien. Ils savent que les élégants sont là. Les élégants, c'est au matin de l'année. Donc, je dis, en Kamouna, il y a été trouvé un peu pour le cas.
Et s'il y a un petit truc, seulement ça, parce qu'il y a Kala, ça veut dire. Kala, il est bon. Il est racheté la Kala à Kofi. Il est bon, 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 ex. Ils ne sont pas revenus sur le mot avec tout le respect. Je l'ai dit plusieurs fois. Ils ont ignoré ça. À Dessin. Dessin, S-S-E-I-N. Je dis avec tout le respect. Donc, ça, je vais attendre à toutes les questions, sauf concernant moi. On est là, vous apprenez. Et je suis heureux que l'intelligence, en termes de langue et de mémoire, celle qui va trouver la loi de la Tatouama, va suivre un peu. Ah, comme on va rentrer, on dirait que. Et ça va bien là, on dirait que moi, pour mon profil personnel, désert. On va pouvoir nous donner mon appétit pour nous rentrer. D'autant plus que, on a eu mon qu'on a mon écœur, on a moins le bois à Kala. Excuse, et pas un autre mot, celui-là. Voilà. Donc, tout ça, on va passer à l'aide, on va vous donner, on va cacher, on va foutre, après ça, on va comprendre. Et puis, on va se réserver. Donc, c'est les amis, c'est l'information essentielle pour la réalité. Tant dans le but que les gens répètent ce que je n'ai pas dit, on me demande, il y a besoin de vivre les lois, à cause de la maison mitigée. On soit déjà satisfaisant, on a eu les années. On a déjà satisfaisant. On a satisfait. On a dit que c'est négatif. Quand on n'est pas satisfait, c'est pas un négatif. C'est pas négatif. Satisfait, nous, on va. Non, nous, on va. Il faut qu'on fasse ça. On peut dire que la motion est pour tout. Mais on peut dire que la solution est déjà satisfaite. Quand tu connais un exemple, beaucoup vont comprendre bien. Ça veut dire que tu peux faire encore mieux. Et j'ai ajouté à la fin ce qu'ils ont encore éludé, toujours à dessein. N'oublions pas les difficultés qu'on a eu à connaître Bana pour la place. Je le dis. C'est-à-dire, notre président Mélo appelle de 2 ans quand on va la passer la cause. Tout le monde le sait. Parce qu'il y a plus de corps de la gouvernement. Là, la vraie chance est beaucoup dans la meilleure pays. Dans la côte de l'ici, les 2 ou 3 que nous avons, c'est même le sujet dont on a parlé. Et je dis ici qu'il faut que nous l'aidions à réussir. C'est un homme qui aime son pays. C'est un grand président. C'est lui aujourd'hui, moi, je sais que c'est le droit, c'est-à-dire. C'est lui notre père de la nation. C'est lui le chef suprême des armées, le patron de la police. C'est lui le garant de nos libertés. Il s'appelle Tshisekedi Antoine. Donc, on a eu un homme politicien spécialement. Et il a habité. Le mal est n'importe où, avec sa main, la Congolais, tu dois lui faire des tas de pierres. Au moins, elle va prouver au pire que nous avons. Tout ça, la dernière, moi qui est l'élo. Nous continuons à terre. Les gabans, la vie, presque pour pas caler. Il m'a atteint, il a eu.
C'est un congrès qui aime son pays. Voilà. Après, c'est nos paroles, je ne vais pas m'en. Dans le nom de Seigneur, Père Stutini. Dans le nom de Seigneur, Père Stutini. Et on a tous sauté, on a sauté, on a accepté au milieu. Allons-y. Moi, personnellement, j'ai peur. Avec le conflit que moi je connais, avec niveau et musique à nous maîtriser, niveau et musique à transmettre, qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus qu'au fil dans Ndakou, c'est-à-dire Ndakou et musique. Les gens sont là, ni bien qu'au fil d'une idée, à côtoyer les hommes politiques avant. Mais c'était pour la première fois pour moi, j'attends que Kofi Olomide puisse nous dire à côté parti politique. Et il y a des années passées, on avait mis Kofi na écharpe. Il y a parti autour de Sugo, il y a Bobal, il y a Maman Olive, au PPRD. Alors on se pose des questions. Est-ce que Kofi Olomide, parti à Libosso, à côté, na Congo, il a dit AFDC, parce que les questions. Nous avons été posés par plusieurs personnes. Vous avez mal bourré. Vous avez échappé à faire perdre. Mais aujourd'hui, au côté officiellement, qu'est-ce qui a motivé Kofi de s'intégrer entièrement? Merci beaucoup, Kamala. Oui, premier pas. Et si t'es une question sur le système? Ah, on vient tirer, on vient tirer. Les gens tirent, on vient tirer pas mal. C'est bon, nous continuons. On va souverain, bien, mais t'es bien la zone en maillot. Oui, on tient pour son apprenti. Oui, bien à vous, monsieur Bahati. Je me suis président. Il y a maman, ça va. Et vous méritez la pétition. Donc tout ça, tout ça, millions, mais à limiter. À côté de ça, le deuxième jour et demi, là-bas, 16h, dès le 19h, je suis à peine, et à premier ministre, à la matinée de la cour. Parce que, et au moment de l'essence, il y a un calaou, il y a un roumain, il y a un calaou, il y a un roumain. Vous avez un moment pour la cour. C'est quoi, le premier ministre à Lomba, à Bénin, à la 19h, on est dans bien c'est comme ça que comment le président Sini qui m'a fait pour aller battre Lio a ordonné le président Kabila. Jamais n'a pas les soldats en public. Ah bon? Abouli a expliqué à moi, comment on peut le permettre de combattre. Donc, il y a la police, il y a la police. C'est pour ça que son grand bien. La loi Makamunaï directement à l'Engéa. Et on a subi ça beaucoup trop souvent. Partir de la côte, il y a des
Qu'est-ce qui se passait l'autre jour? Les gens fallait envoyer au Sama pour la vote. Voilà. Alors, non, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes américain prêt.
Alors moi je voudrais savoir pour que le ma perspective n'a eu bien l'ambition n'a eu politique et ça l'a gagné. Parce qu'on comprend que t'es un artiste, un musicien, mais en même temps, aux arts, à mesure, quand même, il y a un chumeur peut-être, on ne sait jamais, dans l'avenir, moi, la poste, moi, on a un beau chaos. Alors, l'ambition politique n'a eu et moi, ils ont gagné. Et la deuxième sous-question, si je veux la répondre. Ok. Je vais vous faire dénoncer. Comme le bien qu'il de la nation, de la République, a dénoncé mon coup. Dans l'orbite, le commandant suprême de l'armée, Tshisekedi, a dénoncé mon cela veut dire quoi? Vous êtes libre. Cela veut dire que c'est la route sur le bas, comme dit, nous devons battre la route sur le bas, 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 vous êtes libre, il y a Boloba Madame Oyo, et je dis Boloba par rapport à Yamboka. Alors le point, c'est bon, 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 c'est au signer la partie à Baïti Boubou, en fait, au lobby aux amants d'honneur, on peut le dire ainsi. Chaque tango, et effectivement, chaque tango, c'est donc, ça veut dire, puisqu'on est en journalisme, ligne éditoriale, donc, Bango, Baza, pro-fati. C'est ça, en fait, le problème. Et on voit qu'au fil de l'homme idée, la sortie médiatique, Naé, normalement, il fallait qu'on achète la partie 1, en fait. Donc, ça veut dire, lui quand même, c'est ce que fait le président présentement en fait. Quand je dis que vous dénoncez, donc vous avez l'art de dénoncer, c'est-à-dire on a plateau, on a émission qui est passée, Balobini, vous avez qui donc c'est-à-dire au tombi deux parties quoi. Donc au fil des coups, on n'était ni pour ni contre ce qui s'est passé. En question de la partie, on a fallu qu'on l'a de la ligne et tout le monde. C'est
on a tenu par mission politique. Normalement, tout ce qui est à côté nominé, ils arrivent. Parce qu'à chaque fois que vous sortez, la sortie, mais définitivement, ils vous dit des choses qui semblent être vraies. Mais apparemment, juste par après, ce n'est pas, à mon avis, vraiment assuré. Ma mission politique n'a avec les temps, ça sera quoi? C'est quoi en fait? Parce que ma sortie médiatique mieux sur Bimara, sur le plan politique, on n'est pas vraiment concret en fait. Mais en tant qu'artiste, vous allez proposer quelque part. C'est ce que je suis en train de dire. Artistes, vous allez proposer parce que vous allez le prendre de deux côtés aussi en même temps. Merci beaucoup, mon cher.
En fait, c'est une question où on a la question. Il y a solo format. Oui, c'est pour nous faire un bon. On a ma vie privée. Le bon qui nous a mis collectivement ma vie, voilà. Merci beaucoup. En fait. Thank you.